Au collège Val de Seille, la nuit de la lecture commence par un flash mob avec des livres dans les mains des danseurs, élèves et professeurs. 27 ateliers autour de l'écrit y sont organisés. Ce flash mob, c'était pour la nuit de la lecture, pour donner en fait envie aux élèves de lire. Autre façon de promouvoir la lecture, le kamishibai, une sorte de théâtre ambulant où l'on raconte des histoires en faisant défiler des illustrations. Pendant qu'eux ils regardent les images, moi je lis ce qu'il y a derrière et après je change d'image et ça change de texte à chaque fois. Dans cet atelier, les élèves ont une autre approche de la littérature avec de la poésie chantée. Un appel à projet a été lancé donc aux enseignants, mais surtout aux élèves, pour que ce soit les élèves qui animent et encadrent leurs propres ateliers, comme là actuellement sur l'atelier slam de cet après-midi. Combien ça rassemble de gens ? Alors on a 400 collégiens qui circulent sur l'établissement actuellement, plus 80 élèves des écoles primaires de Nomni et de Moivron. Je suis un geek, je m'appelle OI, je veux un jeu vidéo, j'aime faire Mario, je serai un mécano, je déteste les mathématiques, j'adore les pratiques, j'habite en Amérique. Ça consiste à émettre plusieurs rimes à la suite, tout en parlant de ce qu'on ressent ou de ce qui se passe autour de nous. Au collège Val de Seille, l'incitation à lire est permanente et la nuit de la lecture, la cerise sur le gâteau.